Mais maintenant, on va remonter encore un peu plus dans le temps avec Roger, qui va nous parler des tout débuts de l'IPHT. La théorie était le parent pauvre de la physique en France pendant tout un siècle. Ce qui dominait, c'était la physique expérimentale. C'est un peu surprenant. Moi, ça m'a surpris de découvrir qu'en France, les maths sont bonnes. Mais les maths, ce n'est pas une physique théorique. Et il y a de nombreuses raisons à ce déficit en physique théorique. L'une des raisons, c'est une raison philosophique. À l'époque, dans la deuxième partie du XIXe siècle, on pensait que la physique n'était qu'un catalogue de résultats. Bon, alors il y a un exemple caractéristique de ça qui est le livre célèbre de Boas qui a 45 volumes. Dans les 45 volumes, il y a toutes les petites expériences qu'on peut faire. Il y a ce catalogue. Et il y a une autre raison philosophique qui était qu'on n'avait pas le droit de parler des choses qu'on n'avait pas vues. Alors, du coup, la théorie cinétique a été considérée comme quelque chose de totalement... On n'avait pas vu les atomes, donc on n'avait pas le droit d'en parler. L'exemple le plus caractéristique, caricatural, c'est Berthelot, qui a refusé de dire que... Il était constitué d'atomes séparés, donc il interdisait l'usage des formules chimiques en chimie organique, des formules avec les liaisons. Cette interdiction a duré dans son labo jusque dans les années 1930, etc. Et même moi, quand on était en taupe, en chimie, les lois de la chimie, c'était, il y avait la loi des proportions définies, la loi des proportions multiples, etc., des tas de lois de ce type-là. Et tout à la fin, dans le livre de chimie, il y avait l'hypothèse atomique, ça c'est en 51, hein, c'était pendant que j'étais en taupe, il y avait l'hypothèse atomique, et l'hypothèse atomique permet de comprendre, etc. Et ça, c'est un cas. Une autre raison pour laquelle la physique théorique était mal vue, c'est que c'était de la physique allemande. Boltzmann était allemand, Einstein était allemand, donc la théorie cinétique, aussi bien que la relativité, c'était des trucs qui n'étaient pas cachers. Bon. Et ceci a duré si longtemps à cause de l'éducation, parce que les enseignants eux-mêmes étaient imprégnés de ces idées suivant lesquelles la physique n'était pas théorique. Ça contraste de façon absolument terrible avec la physique de la première moitié du XIXe siècle, dans laquelle il y a une floraison absolument extraordinaire de théoriciens en France. Bon, je les énumère pas, mais ça a été oublié, et la physique qui était enseignée, c'était la physique de 1850. Bon, alors, il y a eu, dans les années 20 à 40, il y a eu quelques germes. Il y a quelques personnes, par exemple, en ce qui concerne la théorie quantique des champs, il y a eu Proca, qui a écrit l'équation d'une particule avec un spin 1. Il y a eu Brillouin, mais Brillouin est parti aux États-Unis au moment de la guerre. Il y a eu aussi toute une série de jeunes qui étaient des jeunes extraordinaires, en particulier à l'école normale. L'un d'entre eux mérite d'être connu. Il est peu connu et, bon, par hasard, je suis tombé dessus. C'est Jacques Solomon, qui était le gendre de Langevin, qui a été fusillé par les nazis après avoir fait des papiers très, très intéressant sur la théorie quantique des champs dans les années 30, ce qui est quand même assez remarquable. Bon, alors, tout ceci s'est arrêté pendant la guerre entre 40 et 45, bon, en particulier avec l'assassinat par les nazis de toute une série de jeunes qui étaient remarquables. Ces jeunes, leur nom, on les connaît encore, parce qu'il y a les prix Langevin de la Société de physique et de l'Académie des sciences, qui sont en l'honneur de tous ces gens-là. Bon, alors, en 45, tout d'un coup, les choses changent brusquement. Il y a le grand élan de la reconstruction,
et le grand élan de la reconstruction partout dans toute la France incite les directeurs de laboratoire qui étaient des expérimentateurs à essayer de reconstruire une physique. Ces directeurs de laboratoire, il y a Joliot, le prince Ringuet, Rocard, Néel, Kastler, c'est les gens de la génération d'avant qui étaient là en place et qui ont tout fait pour aider des jeunes qui découvraient à faire de la physique. Et ces jeunes existaient. Ces jeunes, c'était des gens qui avaient fait leurs études entre 40 et 45. Bon, Messia, par exemple, a passé l'écrit de l'X en 40. Il est immédiatement parti en Angleterre s'engager dans la France libre. Il n'a jamais passé l'oral de l'X, mais on lui a donné quand même... bon, en 45, il a refait l'X, il est entré à l'X plus exactement, sans avoir passé d'écrit, d'oral, je veux dire. Il avait simplement eu de très bonnes notes à l'écrit, donc on l'a admis. Ça, c'est un exemple. Bon, les autres, ils ont eu des scolarités plus ou moins tordues, compliquées, dans les années 40 à 45, mais ils étaient prêts en 45 à prendre la relève. Et tous les directeurs de laboratoire que j'ai cités se sont débrouillés pour faire des recommandations, des bourses, etc., pour permettre à ces jeunes-là d'apprendre la physique, parce qu'ils n'avaient appris aucune physique moderne, pour apprendre la physique à l'étranger, donc ils sont partis à l'étranger. Et il y en a, ça c'est la première génération de théoriciens qui apparaît, il y en a une dizaine. Bon, alors j'ai mis les noms, Louis Michel, Maurice Lévy d'Espagna, Friedel, Cécile de Witt. Alors, et en ce qui concerne les gens qui plus tard sont entrés au CEA, il y a d'une part ce que Abraham a noté, appelé les quatre mousquetaires, qui sont Abraham, Bloch, Horowitz et Trocheris, et Messia, qui ne fait pas partie des mousquetaires, il est arrivé un tout petit peu plus tard. Alors, il se trouve qu'à l'époque, au CEA, le CEA venait d'être créé, en 1945, c'est quand même extraordinaire tout de suite. Et dès le début de 1946, il y a les labos qui se sont installés à Fontenay. Le CEA, au départ, a été confié à Joliot et à Dautry. Et dès le départ, ces gens-là ont compris que la recherche appliquée devait être associés à de la recherche fondamentale. Donc, ils ont encouragé l'embauche de jeunes, et ces jeunes qui étaient partis à l'étranger, bon, les quatre mousquetaires et Messia, se sont retrouvés très facilement embauchés au CEA et ont fait la première génération. La première génération, c'était à Fontenay-aux-Roses, et il y avait un service ou des appartements, ou je ne sais pas quoi, de physique et chimie, qui était à la fois appliqué et fondamental. Donc il y a eu une vague de recrutement qui a commencé en 1945. Alors en 1946, au fort de Châtillon, à Fontenay, on a fabriqué un réacteur. C'est absolument extraordinaire, parce que ça a commencé en 1946 et le réacteur fonctionnait en 1948. Bon, actuellement, les réacteurs... ça met un peu plus de temps à démarrer. Et en 1952, il y a eu le déménagement vers Saclay, l'ouverture du centre de Saclay. Et dès 1952, déjà, il y a eu un deuxième réacteur qui est EL2 et un accélérateur. Donc c'est absolument remarquable. Le CEA a été créé en 1945 et en 1952, il y avait déjà deux réacteurs et un accélérateur. Maintenant, quand il s'est installé au CEA, ces quelques théoriciens qui avaient été embauchés se sont retrouvés dans quelque chose qui s'est appelé le service de physique mathématique. Et le service de physique mathématique était dirigé par Horowitz et dépendait d'un département d'études des piles qui lui était dirigé par Yvon,
Donc vous voyez, Yvon, qui est un chercheur fondamental, dirigeait un département d'études des piles. La mission principale du service de physique mathématique était de faire de la théorie des réacteurs, la théorie des réacteurs qui a plus ou moins été créée par Horowitz. Et tout de suite, il y a eu en même temps, à l'intérieur de ce service, intéressés à la physique théorique. Alors bien sûr, ils avaient comme mission aussi de faire de la physique appliquée. Par exemple, Abraham a fait des calculs d'accélérateurs pour mettre au point des accélérateurs. Bloch a travaillé sur le côté réacteur. Mais même Horowitz, qui lui s'est branché très vite sur les réacteurs, a fait des travaux intéressants en physique théorique. Alors les choses ont changé un peu brutalement à partir de 55. À partir de 55, il y a eu des recrutements massifs au CEA. Dans ma promotion, il y a eu 4 camarades qui ont été embauchés au service de physique mathématique en théorie des réacteurs pour travailler avec Horowitz. 4 d'un coup, juste à la sortie de l'X, c'est quand même quelque chose qui fait rêver probablement actuellement d'avoir un poste permanent aussi rapidement. En ce qui concerne la physique théorique elle-même, alors il y a eu le développement de la deuxième génération. La deuxième génération, c'est Cyrano, c'est moi, et puis assez rapidement, Froissart, Rénal, Mahou, etc. Et cette deuxième génération a bénéficié d'une circonstance assez étrange, c'est que le corps des mines qui recrutait les gens qui sortaient dans les majors de l'X, le corps des mines s'est impliqué considérablement dans le CEA. Les premiers administrateurs généraux ont été Dautry, Guillaumat, Couture, plus tard il y a eu Giraud. L'administrateur général était traditionnellement du corps des mines. Or, au corps des mines, il y avait l'idée que la mission du corps des mines, bien sûr, est de développer l'industrie en France et de la contrôler, etc. Mais il y a eu l'idée que, finalement, ça serait très bien qu'il y ait une proportion non négligeable de mineurs, d'élèves ingénieurs des mines, qui fassent de la recherche. Alors ça s'est fait soit sous forme de bourse, soit sous forme de détachement, soit sous forme... Bon, alors par exemple, Cyrano a eu une bourse du corps des mines pour aller à Birmingham. Et puis, en ce qui concerne les autres, comme moi, on a été, pas recruté tout de suite, mais on a été détaché du corps des mines au CEA. Bon, alors, parmi ces mineurs, il y a, dans cette génération, Froissart, Rénal, Mahou un peu après, puis il y en a d'autres après. Bon, bien sûr, ce n'était pas exclusif. Il y a eu des tas d'autres de la première génération, Gaudin, Stora, Descloiseau, Brosse, Morel, qui n'étaient pas ingénieurs des mines, heureusement. Et ce système était d'une souplesse telle qui permettait aussi des recrutements de gens totalement atypiques. Par exemple, Vincent Gillet a été recruté en même temps que moi. Et Vincent Gillet avait fait une étude une école de cinéma. Il voulait être cinéaste. Il était allé à Los Angeles pour trouver du boulot. C'était le moment où le cinéma était supplanté par la télévision, donc il n'y avait pas de boulot du tout. Il a trouvé une épouse qui travaillait et qui gagnait de l'argent, qui s'est débrouillé pour l'aider à suivre des études de physique théorique. Il a appris de la physique, et c'est comme ça qu'il a basculé et qu'il s'est retrouvé intégré au service. Une autre personnalité atypique, c'est Mehta, Madan Lal Mehta. Son enfance a consisté
à aller depuis le nord, où il était d'une famille Jane, qui les Jane traditionnellement sont commerçants. Du nord de l'Inde, il a été envoyé à Bombay, où il vendait des mouchoirs sur les trottoirs. Et Mehta s'est retrouvé, grâce à un oncle, pouvoir faire des études, et il a été recruté au CEA avec un curriculum tout à fait étrange. Bon, alors, ce système souple était très favorable à des gens comme moi qui n'ont jamais passé de thèse. Alors, je ne sais pas qui n'a pas eu de thèse. Je crois que Froissart n'a pas eu de thèse. Morel n'a pas dû en avoir non plus. Il faudrait faire le décompte. On pouvait être embauché sans thèse, ce qui peut faire rêver actuellement. Bon, alors, en ce qui concerne la première génération, j'ai dit que la formation s'est faite à l'étranger, de la formation initiale à la recherche. En ce qui concerne cette deuxième génération dont j'ai fait partie, la formation initiale, heureusement, a pu se faire en France grâce à l'INSTN. Les cours de l'INSTN, où il y avait Messia, Bloch, Abraham, etc., ces cours de l'INSTN, c'était des cours de physique moderne. Donc, on pouvait quand même apprendre la physique du XXe siècle ici. Et puis, ceci s'est complété aussi, pour tout le monde, par l'école des Ouches, qui, là encore en France, a permis d'apprendre la physique contemporaine dans des conditions extraordinaires. Cécile de Witt a créé l'école des Ouches en 1951, et sa philosophie a été d'utiliser les plus grands physiciens, Pauli, Wigner, etc., pour enseigner la physique la plus élémentaire, mais moderne, mais la plus élémentaire. Il y a un cours, par exemple, de Schwinger sur la mécanique quantique que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Bien, alors ça c'était la formation initiale, et évidemment, après cette formation initiale, on a besoin d'une formation plus poussée, et on allait tous à l'étranger aussi. Mais c'était juste après être déjà un petit peu formé. Le service se trouvait installé, le service de physique mathématique, donc, qui avait deux parties, une partie physique des réacteurs et une partie physique théorique moins nombreuse, mais placée au même endroit dans des bureaux voisins. Ça se trouvait dans le bâtiment H, au-dessus de la bibliothèque actuellement. Je crois qu'il y a des photos dans le hall qui montrent ça. Il y avait une administration qui était très légère. Alors là aussi c'est quelque chose qui peut faire rêver, parce que l'administration du service était assurée par Mademoiselle Jameux, qui d'abord était toute seule. Et alors elle assurait l'administration. Le financement était confortable, ça aussi, ça peut faire rêver. Bon, alors, à côté de ça, il y avait la partie qui, comment dire, les services, au sens ordinaire du mot service, associés au SPM. Il y avait le calcul. Alors, le calcul, il y avait deux choses dans le calcul. Il y avait d'abord quelque chose de tout à fait remarquable, c'était le bureau de calcul. Alors le bureau de calcul, moi je l'ai connu, ça ressemblait à une salle de classe où il y avait des bureaux. Sur chaque bureau, il y avait une Frieden qui était une machine à calculer électrique à touches, il y avait plein de touches. Et puis alors il y avait tout un tas de jeunes femmes qui étaient assises là. Et sur l'estrade, assises en face d'elles, il y avait Madame Pillard, dont je me souviens du nom, qui était celle qui dirigeait ce bureau de calcul et qui donnait le travail au bureau de calcul. Alors ces calculs étaient des calculs principalement des calculs de physique des réacteurs, mais il y avait une possibilité d'injecter là-dedans un petit peu de calcul alors il y a eu, je crois, dans ce bureau de calcul, parmi les plus anciennes, il y a dû y avoir Nicole Tichit, je pense, que certains d'entre vous ont dû connaître.
Et puis, alors, la deuxième partie du calcul, c'est quelque chose qui était tout neuf, qui venait d'être acheté. C'était une Ferranti. Alors, cette Ferranti était une machine qui occupait une pièce immense, je ne sais pas combien de mètres carrés. Bon, l'équivalent de 3 ou 4 bureaux à peu près. Il y avait des grandes armoires remplies non pas de transistors mais de lampes, encore. Et cette Ferranti était d'une efficacité extraordinaire puisqu'elle était capable de faire les mêmes calculs que ce que fait une calculette de poche actuellement. Donc à l'époque, c'était remarquable. Alors, j'ai été embringué là-dedans au départ avec Vincent Gillet, qui lui n'en est pas sorti. Moi, j'en suis sorti parce que il fallait qu'on calcule, qu'on faisait des calculs de réaction nucléaire, des calculs théoriques de réaction nucléaire. Ces calculs théoriques nécessitaient des calculs d'intégrale. Chaque intégrale prenait à peu près un quart d'heure. Comme cette machine était prioritairement destinée à la physique des réacteurs, on ne pouvait en disposer que pendant la nuit. Donc on avait des lits pliants et on couchait sur place pour faire fonctionner cette machine. Ça m'a dégoûté pour la vie du calcul. Alors heureusement, il y avait des machines plus performantes plus tard, ce qui fait que heureusement, j'étais l'un des rares à avoir été dégoûté par le calcul. Bon, alors bien sûr, il n'y avait pas d'ordinateur personnel, il n'y avait pas de photocopieuse, et pour élaborer les articles, on les écrivait à la main. Et au départ, c'était Mademoiselle Jameux qui tapait les articles. Alors dans les archives, il doit rester ces articles tapés à la main, avec le papier carbone, parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse. Bon, alors ça, je crois que vous avez du mal à l'imaginer, je pense. Bon, alors après Mademoiselle Jameux, le secrétariat s'est étoffé. Il y a eu d'autres secrétaires, bon, il y en a plusieurs qui sont encore là, qui avaient comme mission, bon, il n'y avait pas un gros travail administratif, donc elle faisait le travail administratif, et elle tapait aussi des articles, c'est quand même... Bon, et alors, plus tard, quand le service a eu son autonomie, les choses sont devenues un peu différentes, mais bon, ça, ce que je décris, c'est la transition entre le service de physique mathématique et le service de physique théorique. Dans le service de physique mathématique, les sujets étaient déjà diversifiés. Il y avait déjà de la physique nucléaire, déjà de la mécanique statistique, déjà de la physique des solides qui a été importée par Jacques Descloiseau, déjà de la théorie des champs, et déjà de la physique mathématique, par exemple Gaudin, ou dans les débuts. L'ambiance était une ambiance extraordinairement familiale. Vous pouvez le voir sur certaines photos qui sont placées dans le hall. Il y avait des fêtes de service, les familles étaient même invitées. Et il y avait une unité du service. Comme on n'était pas très nombreux, il y avait des échanges très forts entre les différentes disciplines représentées dans le service. Et ça a été l'une des grandes forces du service, c'est ce caractère non seulement pluridisciplinaire, mais avec des échanges en permanence, grâce à la salle café, grâce à des tas de choses comme ça, et des coopérations, des changements de sujets. Beaucoup de gens ont changé de sujet en passant de l'un à l'autre. Ça, c'était la force du SPHT, et je conclurai en disant que c'est ça qu'il faut conserver à tout prix. Bien sûr, c'est difficile maintenant, parce que le service est devenu beaucoup plus grand. Bon, j'ai pas dit que le SPHT a été créé, parce que le SPM s'est scindé en deux, il y a 60 ans, ça, quelqu'un d'autre le dira. Mais dans ma conclusion, c'est que, malgré la taille plus grande du service,
malgré le fait que les financements soient plus durs, qu'on soit obligé d'aller les chercher ailleurs, malgré toutes les difficultés administratives qu'on a actuellement, parce qu'on passe son temps à faire de l'administration, bon, on est moins aidé aussi pour taper les articles, puisqu'on les tape soi-même. Malgré tout ça, je crois qu'il faudrait conserver cet esprit qui était l'esprit du SPM et qui a été l'esprit du SPHT au départ. Bon, je peux répondre à toutes sortes de questions. Comment le SPM s'est scindé? Comment est-il devenu, pour une part, le service de physique théorique? Bon, la scission a été toute simple. C'était pendant qu'on était encore à Saclay dans le bâtiment H. Le nombre de théoriciens est devenu relativement grand, alors qu'au début, il y en avait très peu. Alors, je ne sais pas combien ils étaient, mais il y en avait suffisamment pour créer son autonomie. Et le fait que les gens travaillent simultanément sur la physique des réacteurs et la physique théorique avait totalement disparu depuis des années, donc il était tout à fait naturel de créer deux groupes séparés. Alors il y a le groupe de réacteurs qui restait réacteur, et le service de physique théorique qui, lui, s'est séparé. Alors, il a eu comme chef de service Bloch, qui s'est retrouvé là. Et puis, bon, et puis alors la suite. Bon, la suite, c'est pas de la préhistoire, donc je ne parle que de la préhistoire. Oui, bonjour, je suis Gilles Cohen-Tanouji. Je suis arrivé au CEVA. En fait, là, c'est le premier anniversaire pour moi de mes 60 ans au CEVA. Ça marche ? Je suis arrivé en 62, le 1er octobre 62, et c'était encore le SPM. Effectivement, je suis arrivé au CEVA, mais au SPM. Et en fait, j'ai été recruté pratiquement alors que j'étais encore à l'IX. C'était l'époque où on avait toute une équipe qui venait faire un amphi-retape pour le CEVA à Saclay, et c'était vraiment, vraiment sensationnel. Donc je suis arrivé le 1er octobre, après ma promotion a eu droit à 2 ans de service militaire, donc 18 mois en Algérie, et je suis arrivé, après 18 mois, j'avais tout oublié, je suis arrivé le 1er octobre, on m'a donné un bureau, et ce que j'ai fait, j'ai pris le Messia, et je l'ai ouvert à la page 1, pour me remettre à faire de la politique. Bon, alors moi, en ce qui concerne le Messia, j'ai été le cobaye de Messia, parce que j'ai fait tous les exercices au moment où il voulait transformer son cours en livre. Donc j'ai fait les exercices de bout en bout, ce qui a été une formation tout à fait intéressante. En ce qui concerne le recrutement direct à la sortie de l'IX, oui, ça se faisait beaucoup. Et j'ai une expérience encore plus extraordinaire que toi, c'est que quand j'ai été recruté, j'ai été reçu par Francis Perrin, qui était le haut commissaire. Francis Perrin recevait les jeunes qui venaient faire de la physique théorique. Ce qui est bon. Oula. Oui, Roger, j'aurais mieux comprendre comment se faisait l'éducation en physique de ces premières, deuxième, troisième vagues. Enfin, la première, on comprend que ça vient de l'école polytechnique, mais il y a bien eu une transition vers les DEA, et en particulier Messia, son livre, il l'enseignait quelque part, il l'enseignait peut-être qu'à l'école polytechnique, ou est-ce qu'à un moment, il y a eu une transition vers l'université? Oui, mais alors attends, moi je parle d'une période plus ancienne. Hein. Je parle d'une période plus ancienne. La première vague, pour moi, c'est la première vague des gens qui ont fait les grandes écoles entre 40 et 45. Alors cette première vague... Leur bagage de physique était... Alors bon, alors attends, il faut quand même préciser une chose. Moi j'ai fait l'IX en 52. Le cours de physique que j'ai eu était un cours de physique qui était probablement encore mauvais pour 1850. Dans mon cours de physique, il n'y avait aucune...
aucune mécanique statistique, même l'optique était comme ça bricolée. Bon, c'était absolument lamentable. Les équations de Maxwell, non, parce que les équations de Maxwell, c'était relativiste. Il y avait les équations de Maxwell, enfin bon, elles étaient présentées séparément, comme bon, il y en avait quatre, mais jamais, on nous a dit que les équations de Maxwell pouvaient être unifiées par la relativité. Ça c'est 54. Bon, donc il faut préciser ça. Bon, alors en ce qui concerne la deuxième génération, elle a été formée par les cours de l'INSTN, il n'y avait pas de DEA, il n'y avait rien du tout. Bon, Cécile de Witt a créé les Ouches à l'époque où il n'y avait absolument aucun DEA en 51, et jusqu'en 57-58, l'école des Ouches, avec l'INSTN, était à peu près les seuls endroits où on pouvait apprendre de la physique moderne. Alors c'est seulement après, ce que tu dis, vient, ça c'est la troisième génération, ça vient après. Bon, Gilles qui vient de dire que c'est en quelle année ? Oui, bon, ben, encore pour lui, il n'y avait encore rien sous forme de DEA. Ça commençait à peine. Oui, oui, le Messia est sorti, mais le Messia, ce n'est pas un DEA. Donc l'université ne s'y est mise que plus tard. Le DEA, oui, mais attends, quelle année il a commencé ? L'année que Gilles, j'ai suivi le DEA. Ah, bon, qu'est-ce qu'il y avait dans le DEA ? Il était bien ? DEA Lévis. Il y avait Ah, bon, bah alors, bon, DEA, ça commençait quand même. Mais dans ma génération, la génération Froissart, il n'y avait pas. Roger, tu as décrit l'implication tout à fait remarquable de l'école polytechnique et du corps des mines dans la création du service, mais l'école normale n'était pas du tout intéressée par s'impliquer. Quel est finalement le rôle, parce que la physique théorique à l'école normale et dans le 5e arrondissement. Ben, l'école normale s'est développée indépendamment grâce à Rocard-Kassler. De façon parallèle, bon, j'en ai évidemment pas parlé puisque je voulais pas parler que du SPHT. Quand on regarde les normaliens qui sortaient de l'école normale, il y en a quelques-uns qui sont venus au CEA. Bon, Jacques Descloiseaux, par exemple, mais ils sont pas les normaliens qui sont venus au CEA ne sont pas très nombreux. Premièrement parce qu'il fallait quand même prendre le car pour venir ici, ou bien si on ne prenait pas le car, il fallait, comme je l'ai fait pendant deux, trois années, venir à vélo ou en transport en commun. C'était pas commode. Donc, à partir du moment où on avait pris ses habitudes à l'école normale, on était beaucoup plus tenté de rester à Paris que de venir à Saclay. L'école polytechnique était aussi sur la montagne Sainte-Geneviève à l'époque. L'école polytechnique n'était évidemment pas à Palaiseau. C'est, je crois, la même raison qui a amené Saclay ici et l'école polytechnique à Saclay. Je crois qu'il y a eu une... Bon, je ne sais pas qui, mais Joliot en particulier avait poussé à la création d'Orsay. Mais on a fait avec ce qu'il y avait, et il s'est trouvé que par hasard le corps des mines était très favorable, et d'autre part que il y a eu ces embauches directes nombreuses à la sortie même de l'IX. Bon, il y a eu un peu plus tard, il y a eu la botte recherche à la sortie de l'IX qui a permis, juste à la sortie de l'IX, de faire de la recherche où on voulait. À condition de faire une thèse, oui. Alors là, moi... Ah oui. Donc, moi j'ai bénéficié
de ce qui se passait avant, c'est-à-dire pas de thèse. À propos des normaliens, Roger, à propos des normaliens, oui, j'oublie le fameux Pierre-Gilles de Gênes, qui est venu au CEVA. Comment ? Pierre-Gilles de Gênes est venu au CEVA. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que dans ce petit groupe au départ, je l'ai oublié. Au tout début, quand je venais là, bon, je suis venu un peu suivre les cours en même temps, rencontrer les gens. Bon, j'étais dans une situation un peu entre les deux, ingénieur-élève à l'école des mines. Et alors, il y avait, je me souviens, un café, bon, une salle café où on se réunissait et où alors là, ça rassemblait tous ceux qui étaient le premier noyau. Alors, dans cette salle, il y avait Herpin, il y avait Abragam, il y avait De Gênes. Bon, je ne sais plus, il y avait De Gênes, ça je me souviens très bien, qui lui ensuite est parti à Orsay. Bon, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle je me suis retrouvé ici est une raison très bizarre. Le directeur de l'école des mines, qui s'appelait Fichet Serre, qui aidait les gens à se trouver un point de chute, m'a dit, bon, si vous voulez faire de la recherche, il y a deux endroits où vous pourriez aller. Il y a deux jeunes qui viennent de démarrer, qui démarrent très bien. D'une part, il y a Claude Bloch, qui lui est en train de s'installer à sa clé. Et puis d'autre part, il y a Jacques Friedel, qui était dans les labos de l'école des mines à l'époque. Bon, allez les voir tous les deux. Alors, je suis allé les voir tous les deux. J'ai compris le problème sur lequel Bloch voulait me mettre. Je n'ai pas bien compris le problème sur lequel Jacques Friedel voulait me mettre. Mais ce problème, c'était les oscillations de Friedel. Bon, alors j'ai pris le problème que j'avais compris. Ce qui ne m'a pas empêché d'être très proche de Friedel tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Pierre. Oui. Ah oui, mais c'est oui, j'ai oublié Jacob, mais c'était plus tard. Ah non, c'était... Ah non, c'est pas plus tard. Non, il y avait Maurice Jacob, bien sûr. Non, j'ai oublié ceux qui sont partis. Commentaires ou questions? Non, ben sinon on va clore la session. On se retrouve dans une demi-heure après la pause café. Merci encore, Roger.